Et donc, il y a un officier qui m'a arrêté. Il a commencé à me dire que j'avais passé la frontière illégalement. Et je lui ai dit que j'avais vraiment pas fait exprès, enfin que je comprenais pas ce qui m'arrivait. Il m'a dit, ben, tu vas peut-être être déporté dans ton pays. Au moment où ils ont commencé à m'emmener dans leur centre, et que là, ils m'ont mis dans les voitures grilladées, qui m'ont emmené avec le SAS, et qu'après, ils m'ont emmené dans leur bâtiment. Ils m'ont demandé d'enlever tous mes effets personnels avec mes bijoux, ils m'ont fouillé de partout. Et là, j'ai compris que ça commençait à être vraiment sérieux, et du coup, là, j'ai commencé un peu à pleurer. Et que son anglais il est pas bon, Ouais. qu'il est moins bon que le mien, Mais en mais général, c'est plus facile pour les jeunes oui, et elle s'exprime bien avec les gens, même elle expliquait pas, comment dire, non, comment, non, elle paraît forte, elle paraît, Oui, même grande salle, c'est vrai, ouais. hein, ce qu'elle m'a dit aussi, Ouais. Mais elle a dit aussi qu'elle restait en contact avec. Je mets sur Ouais, son quoi? nom devrait apparaître. Ah, ben il apparaît pas alors. Ok. Voilà, là ça y est, je vais. Ouais. Ok. Petite, c'est bon la photo Ouais, ou alors une super. photo où on voit CD là toute seule? Non, en famille, c'est bon. Parce que j'essaie de trouver une photo où CD là est toute seule. Non, c'est pas grave. Parce que Ouais.